Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Une commande passée à la FNAC pour des vinyles de David Bowie. Mais finalement, il y a eu une réédition de plusieurs albums, là, en août 2022. Je ne savais pas du tout, je viens de découvrir ça. Et j'en ai profité pour compléter ma collection. J'avais dit que je m'arrêtais aux années 80. Et après le reste, j'avais les albums en CD de David Bowie. Quelques albums en vinyle, mais peu. Et du coup, j'en ai profité pour compléter. Et je vais peut-être essayer d'avoir, mais il y en a d'autres qui sont chers. J'essaie peut-être essayer d'avoir tous les albums de Bowie en vinyle. On va voir où ça me mène. Voilà. Enfin, déjà, un petit colis avec trois. Et puis un autre colis que j'ai déballé il y a quelques jours, où il y en avait un. Voilà. Donc on va déjà ouvrir celui-là, reçu aujourd'hui. Hop là, ouais, d'accord. Ça commence bien. Ouais, ok. Ah, le système d'ouverture. Ouais, d'accord. Ce massacre. Oh, voilà. Ah, c'est bien emballé. Donc, on se retire. Le premier, vous avez vu. Le premier, Black Tie White Noise. C'est un album que je n'ai pas écouté depuis longtemps, mais il me semble que c'est un bon album. Parce que bon, oui, c'est un peu avec des hauts et des bas parfois. Qu'est-ce que je pourrais connaître? Black Tie White Noise, qui est un peu connu, mais après, c'est produit par Nile Rodgers, donc comme l'album Let's Dance. On va ouvrir ça. Donc. C'est sorti chez Parlophone. Il marque 2021, mais pour moi, c'est sorti cette année, ça. Et ils doivent ressortir aussi la série des Bryant Live Adventure, qui sont hors de prix sur Internet. Ça doit ressortir début décembre, à l'approche des fêtes, hein, comme par hasard. Alors, on a deux vinyles, c'est un double album. Hop. Vous auriez pu mettre une photo à l'arrière aussi. Hein. 1 et 2. C'est sobre. Bizarre le label. Je m'attendais pas à un label comme celui-là. Alors j'ai lu les critiques sur Discog au niveau du son. Et toutes les critiques sont unanimes. C'est un très bon pressage avec un très bon son. Donc ça aussi, ça m'a motivé. À noter que, faut dire aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de rééditions hein, de nos jours, mais beaucoup de critiques maintenant sur Discog ne sont pas sur l'artiste ou la musique ou l'album, mais sont sur la qualité de pressage. Voilà, c'est maintenant on critique la qualité de pressage plus que l'artiste en lui-même ou la musique qu'il a faite ou la chanson qu'il a écrite. C'est une évolution un peu curieuse. Dans les années 80, ça ne serait jamais venu à l'esprit de parler du pressage, de la qualité de pressage, puisque tous les pressages étaient bons, hein, globalement. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, les pressages étant ce qu'ils sont, voilà. Et on a rien d'autre. Black Tie, White Noise. Allez, on regarde la suite. La suite, c'est The Buddha of Suburbia. Donc ça, c'est un album qui pour moi était passé complètement inaperçu à l'époque de sa sortie.
Et c'est un très bon album, je l'ai en CD, et franchement, j'avais beaucoup aimé. Alors la pochette du CD est complètement différente, hein, ça n'a rien à voir, elle est assez vilaine, hein, la pochette du CD. Celle-là, on va dire qu'elle n'est pas non plus, on dirait qu'il est en prison, c'est un peu bizarre. Mais alors c'est peut-être extra... Je me demande si c'est pas un film à la base, Buddha Subarbia. Je ne me sais plus. Alors, David Bowie et Erdal Gizilxé, je sais pas quoi. Et c'était sorti en 1993. Donc double album, c'est que des doubles albums, hein, toutes les rééditions. Alors ça, je sais pas trop si c'était sorti en vinyle initialement. Peut-être bien que non. Peut-être bien que c'est la première édition en vinyle. Donc il y a toujours le sticker officiel Bowie dessus. My personal memory stock for this album was made up from an almighty plethora of influences and reminiscences from the 70s. Il y a du blabla. Hein. Ah, il cite plein de noms des années 70, de gens qui l'ont inspiré. Donc Brian Eno, ça, Kraftwerk, cité en premier. Pink Floyd, en deuxième. Les prostituées et sots. Il a dû avoir une vie assez déjantée dans les années 70 et même début 80, je pense. Roxy Music, les drogues, ouais. Nœud, ah, Nœud. Philip Glass, Mark Bolan, il s'est inspiré de Mark Bolan à ses débuts. T-Rex, ouais. Ben Mark Bolan est le chanteur de T-Rex. Et puis en dernier, il cite sa maman, c'est gentil ça. Ah, cool! Ça, c'est sympa la photo. Ils auraient presque pu mettre cette photo-là plutôt que l'autre. Et sur le deuxième disque, Buddha Subarbia. Donc là, il y a les titres. Toutes les chansons composées par David Bowie. Il y a Lenny Kravitz qui joue de la guitare sur Buddha of Suburbia. Et David Richards, si je ne me trompe pas, je pense qu'il a été producteur de Queen à une époque. Sur les Queen des années 70. Avant que ce soit Mac. Ça, c'est la facture. Et l'autre disque, bon, ça doit être le même label. On va faire une édition couleur. Hein. Non, non. Voilà. Il y en a qui disaient qu'ils auraient voulu un gatefold. C'est vrai qu'on peut regretter que pour Bowie, on ne fasse pas une édition gatefold. Vu qu'il y en a un qui est sorti en gatefold, je ne sais pas, mais c'est celui-là justement, Hours. Hours est sorti lui en gatefold. Toujours l'officiel Bowie. J'aime bien la pochette hein, de Hours. Prémonitoire. Hein. Mais bon, on va tous aussi y passer un jour. Hein. J'aime bien Bowie en ange et Bowie décédé. Bon, c'est sur Dodger aussi, je crois. Dodger, si je dis pas de bêtises, où et on le voit mort. Avec un serpent à ses pieds. Là, on va être obligé d'enlever le film plastique pour ouvrir.
leur période. Le couplet à côté. J'ai vu quand même qu'avec le temps, j'arrive mieux à ouvrir les disques hein, qu'au début de mes vidéos. Hein. À force, je commence à prendre le coup. Est-ce qu'on a des titres connus, en tout cas connus par moi? C'est une période où je connais surtout les années 70-80. Après, il y a Brilliant Adventure. Donc, Brilliant Adventure est un titre de Bowie avant de devenir le titre de la série de live. Et de la série d'albums, parce que je crois que c'est sorti en coffret, ça. On va ouvrir. Ah, c'est sympa le... Très très sympa. Et on a un livret. Ah, du coup, je sais pas, c'est pas un double album celui-là. Non, c'est un simple. C'est un simple avec une pochette ouvrante et un beau livret. Curieux tous ces clones de Bowie. Un petit peu difficile à lire les textes, mais il y a une belle mise en page, hein, je trouve, avec des belles couleurs. Ah, sympa. If I am dreaming my life, si je rêve ma vie. Ben, si je suis en train de rêver ma vie. Du beau papier. Ah, jolie la photo. Les jolies choses vont en enfer. Les nouveaux anges de la promesse. L'aventure éclatante. Les rêveurs. Voilà, bel album. De mémoire, ça aussi, c'est un CD. De mémoire, c'est aussi un très bon album. Là, voilà. Et on a. Ah, c'est joli. Décidément. On a un peu plus de titres par face, forcément. 4 titres sur la face A. Bowie, Hour. Et 6 titres sur la face B. Oui, belle présentation, bel album. Et normalement, bon album. Et ma mémoire ne me fait pas défaut. Et celui que j'ai reçu la semaine dernière, je crois, qui m'a un peu aussi motivé à commander les autres, là, quand j'ai vu qu'il y avait les autres. Hop. Outside. Enfin, c'est One Outside. S'il devait y avoir une suite, il devait y avoir deux Inside. Et malheureusement, la suite n'est jamais sortie. Donc, c'est un album fait en... avec Brian Eno, c'est, je pense, mon album préféré de David Bowie. Donc, j'avais qu'un CD, il fallait que je l'aie en vinyle. En vinyle, il était très cher. Et en plus, l'édition vinyle ne reprenait pas l'intégralité des chansons. Donc, il y avait des chansons écourtées sur le vinyle par rapport à l'album. Voilà, ce qui est quand même... Donc là, c'est une réédition, donc pareil, hein, Official Bowie, hein, c'est toujours la même série du mois d'août, qui propose sur deux vinyles l'intégralité du CD. Donc là, on a enfin l'intégrale. Donc ça, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, je suis obligé de l'acheter, quoi. Et là, un prix, on va dire, correct, pas... Mais ça reste assez cher, hein, les rééditions. Hein. De toute façon, tous les vinyles aujourd'hui, ils sont chers. Hein. Tous les vinyles neufs... Hein. Parce que ça, c'est des vinyles dans les 30 euros, je pense.
J'aime beaucoup la pochette. La pochette, c'est une photo d'une œuvre d'une peinture de David Bowie. Faite par David Bowie. Je vais y arriver. Donc ça, c'est un chef-d'œuvre outside. Ah, il y a le livret. Ah, super. Parce que sur le CD, il y a un livret aussi. Mais alors, c'est minuscule. Et donc, The Jury of Nathan Handler. Donc, Nathan Handler, c'est David Bowie qui interprète dans l'histoire un privé qui va mener une enquête sur un meurtre. The Art Ritual Murder of Baby Grace Blue. Donc, c'est Baby Grace Blue qui est décédé. Et c'est sous forme de puzzle. Donc, l'histoire est en fait racontée de manière un peu à la Lynch, hein. Et David Bowie a joué dans un film de Lynch. Et il a interprété aussi Elephant Man, que Lynch a repris en film. Hein. C'était une pièce de théâtre, Elephant Man, après avoir été un livre et après avoir été une histoire vraie. J'en étais où? J'en étais que David Bowie, que l'œuvre est écrite comme un puzzle, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire. Donc on a des bribes d'histoire qui se mélangent. Et un peu à la Twin Peaks, hein, on va dire, ou même avec des films de Lynch, hein, comme Mulholland Drive. Et c'est vraiment, vraiment. Donc ils mettent bien non-linéaire, gothique, drama, hyper-cycle. Donc un drame gothique non linéaire, enfin un hypercycle d'un drame gothique non linéaire. Voilà, donc là, je crois que c'est Baby Grace Blue. Hein. Donc Nathan Adler, on dirait plutôt un psychopathe, mais c'est le privé qui mène l'enquête. Et donc il y a tout un. Donc avec les dates, ben, toutes les histoires qui arrivent. Et donc je crois que l'histoire, les paroles sont écrites sur des morceaux de papier qui sont tirés au sort et pour arranger une histoire autour de ces phrases qui sont écrites sur les morceaux de papier. Les surréalistes faisaient ça aussi. Hein. Et je ne sais plus comment il appelait ça, Brian Eno, mais il a donné un nom à cette technique qu'il a employée sur d'autres disques aussi. Donc on a Hello Space Boy qui est interprété avec, comment il s'appelle, les Pet Shop Boys. Et là, du coup, il y aura jamais la suite. Enfin, tout inside, ça c'est regrettable. Ouais. Bah, c'est-à-dire que chacun après, Brian Eno et David Bowie apparemment sont partis sur des projets différents. Brian Eno, à la mort de David Bowie, avait dit que il s'était recontacté ben justement pour donner une suite à Outside. Ils en avaient parlé, mais bon, Bowie était malade, donc forcément. Ça n'allait pas se faire. Donc double vinyle. Je suis très très content de l'avoir en vinyle. Minotaur. Utter Destruction. Voyeur, all extreme of my sex, utter destruction. Outside Record One. Donc c'était sorti en 1995 initialement. Pas ça, face B. Tête.
Oh. Disque 2, ah, on a le même label. Donc très très bon concept album. Bah tiens, pour un vinyle tag, s'il y a un retour d'une question sur un concept album, bah ça c'est un très intéressant concept album qui raconte une vraie histoire. On va se quitter sur Outside de David Bowie. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine. Merci.